Dag dames en heren en welkom bij Televox. In de afgelopen zomermaanden zette het Televox-team alles in het werk om u ook dit nieuwe seizoen een reeks van gevarieerde onderwerpen te bieden. Voor de uitzending van vandaag trokken onze camera's onder andere door Brussel ter gelegenheid van het nationale défilé. 21 juli leek ons immers het ideale moment om eens te peilen naar de ervaringen van de nieuwe Belgen, dus migranten in ons land. Voelen zij zich echt wel Belg en integreren ze zich makkelijk in onze samenleving? Wat denkt de autochtone Belg over de nieuwe Belg? Mogen zij actief zijn in het leger? Moeten ze dezelfde rechten en plichten hebben? En hoe zit het met de verdraagzaamheid in dat Belgische leger? Want de Belgische militairen worden immers vaak ingezet in het buitenland met andere nationaliteiten, religies en culturen. De gedragscode van de Belgische militair is er alvast heel duidelijk over. U zal geen enkele discriminatie aanvaarden, in het bijzonder de discriminaties die gebaseerd zijn op het ras, het geslacht, de volksgroep, de taal, de kleur, de politieke, religieuze of filosofische overtuiging. U zal kordaat optreden tegen elke vorm van belaging. U past deze principes in eerste instantie toe op uzelf en op uw onmiddellijke professionele omgeving. Aldus de gedragscode van de Belgische militair. Maar dat is natuurlijk wat er op papier staat. Televox ging eens kijken wat daar in de realiteit van terechtkomt. Dat 21 juli onze nationale feestdag is, weet natuurlijk iedereen in België. En dat wordt zowat in het hele land gevierd. Maar in de hoofdstad zijn de feestelijkheden wel het meest zichtbaar. Hoogtepunt van de dag is ongetwijfeld het défilé. De gelegenheid om onze militairen met hun uitrusting in de straten van Brussel te zien paraderen. De Belgen zien er ook een vorsten- en koninklijke familie, symbool van nationale eenheid, is van wat dichterbij. Ten slotte vindt iedereen in 21 juli symbolen terug van de waarden waarin hij wil geloven. Royauté. Sens du devoir. Et bon, aimer la famille royale, quoi. Vivre pour son pays, défendre son pays, pour moi, c'est ça pour moi, quoi. La fête nationale, la réunion des Belges, la réunion des Belges de tous les côtés. Le 21 juillet, c'est un beau moment, c'est quelque chose que les Belges essayent encore de vivre ensemble, difficilement, hein, parce qu'il n'y a pas grand monde qui les aide, mais on voit ici, avec tous les gens qui sont réunis, qu'il y a une envie. De eer om het défilé te openen komt toe aan de oud-strijders die haven en goed achterlieten om ons land te bevrijden. Ze sloten zich daarvoor toen aan bij de geallieerde troepen. In de geschiedenisboeken spreekt men ook niet van de overwinning van een of andere natie, maar wel van de geallieerden. Eendracht maakt macht, is de leuze van België, maar het is ook de basis van een alliantie zoals de NAVO. De 50ste verjaardag van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie kreeg in 1999 dan ook een ereplaats in ons nationaal défilé. Detachementen van de 19 lidstaten marcheerden met hun vaandel door Brussel. Er stapten zowel Amerikanen als Turken, Nederlanders, Fransen en Nooren op. De drie nieuwe NAVO-leden waren ook van de partij. De Tsjechen, Hongaren, maar vooral de Polen werden op een warm applaus onthaald. Het feest van 21 juli staat zowel voor de fierheid Belg te zijn als voor het deel uitmaken van een internationale familie. Vooral omdat de huidige Belgen niet meer allemaal afstammen van de Nerviërs en de Menapiërs. Vandaag zijn ze eerst en vooral Europeaan. Je treft in België allerhande talen, godsdiensten en culturen aan. Het zijn verschillen die ons allemaal kenmerken en die je ook moet kunnen aanvaarden.
Anders evolueer je naar een ongezond nationalisme dat zoals onlangs in de Balkan duizenden slachtoffers maakt als gevolg van een opflakkerend racisme. Racistisch is iemand die veralgemenend, zonder iemand echt te kennen, vanuit bepaalde vermeende groepskenmerken negatieve kenmerken toekent aan een individu. Par exemple, je suis réunionnais français d'origine indienne, on me prend pour un arabe, ou alors je passe ou une petite agression sale arabe ou des trucs comme ça. Bon, ça a pas d'importance, mais ça fait mal quand même. Ouais, les regards des autres, on le sent toujours, hein, on le sent toujours. Il y a toujours une différence, une certaine curiosité que joue, les gens vous regardent, mais me sentir étranger, je dirais non. On va dans un bar quelque part, on dirait que quand nous on rentre dans un bar, on dirait qu'on est pestiféré, je dirais. Je dirais carrément le grand mot. Mais on essaye, nous, de s'intégrer aussi à eux. Vous croyez que les Belges sont racistes? Non. Pourquoi? Comme tous les autres pays, on a tout le temps quelqu'un qui... C'est bien, hein? Vous savez bien la vie comme ça va. Autrement, non, non, non. Il y a toujours du bon et du mauvais partout. Alors je ne peux pas dire que la Belgique est raciste, je ne peux pas dire que... Et bon, alors il y a du bon et du mauvais partout, hein? In de krijgsmacht tref je mensen aan van diverse pluimage. Ze komen uit alle streken. Er zijn dus ook soldaten bij met een min of meer exotische afkomst. We vragen ons af of zij geconfronteerd worden met racisme op het werk. Il y en a partout, donc je vois pas pourquoi il y en aurait pas à l'armée belge moins ou plus qu'ailleurs. Écoutez, je suis dans l'armée depuis 10 ans, je suis d'origine italienne. Et sur 10 ans, je n'ai jamais eu de problème de racisme envers mes collègues. Je ne vois pas pourquoi on doit dire que l'armée est un milieu raciste et fasciste, non. Mais à l'armée, proprement dit, il n'y a pas de racisme, mais c'est les gens qui sont racistes, je peux dire. Ouais. Parce que ça tout dépend comment tu as grandi et tout, ben, dans quel milieu tu as grandi. Vous savez, moi, quand j'étais en Afrique, les mots racistes, je ne les connaissais pas. Er zijn racisten, ja. Racisten hebt u overal. Racisten hebt u in elke volk. Ja, extreme mensen, extreem rechts heb je overal. Ja, racist et raciste aussi. Hein. Il y en a, c'est vraiment raciste pour tout. Il y en a, c'est raciste parce qu'il y a de la délinquance et tout. Mais si des personnes comme moi sont bien, comment je veux dire, avec eux, ils sont pas racistes, quoi. Ik denk dat je even goed racisten hebt in de burgerij als bij het leger, als overal. Ik denk dat het toch wel... Dat is niet uitgesproken bij het leger, dat is, daar geloof ik niks van. L'armée est toujours taxée, est toujours taxée de conservatisme. Hein. Lorsque vous entrez à l'armée, les gens qui sont à l'extérieur se demandent qu'est-ce qui va se passer. Et lorsque vous entrez, vous-même, vous vous demandez qu'est-ce qui va se passer. Et comment vont évoluer les relations entre vous et vos collègues. Les collègues que vous allez rencontrer, ils vont vous poser toute une série de questions. J'ai fait mon service militaire et après ce service, j'ai eu... bonne idée de l'armée, ça me plaisait et j'ai décidé de poursuivre dans cette voie-là. Bon, je m'identifie fort bien au peuple belge, bon, j'ai presque tout le temps vécu ici et donc, pour moi je suis belge à 100%. Autochtoon of allochtoon, burger of militair, in België houdt iedereen van het 21 juli feest. Nous sommes quand même intégrés, donc ça représente quand même une grande chose pour nous aussi. Et on voudrait aussi que les enfants puissent comment dire, ressentir cela, parce que pour ça, très jeunes, on les habitue déjà, voilà. In het Turkse kwartier zijn er ook thuisblijvers, maar niet zonder mening. Oh, moi, je me sens très très bien. Je me sens chez moi. Oui, oui. Non, non, je me sens très très bien. J'ai ma femme, j'ai mon fils, j'ai mon travail et puis on peut respirer. Mais ça, c'est... Je veux dire, on peut penser ce qu'on veut. Ça changerait un problème, mais on le pense. De temps en temps, je me sens un homme, bien, fier de l'être. Puis de temps en temps, je me sens ridicule. Moi, je veux dire, pas belge, pas marocain, bête, tout simplement. Mais bon, parce que... Pour ce qui se passe au Kosovo, pour ce qui se passe un peu en Somalie aussi, ou n'importe où. Burger of militair, het maakt niet uit. Iedereen wil meer weten over collega's die er anders uitzien. Maar de afkomst van die nieuwe Belgen heeft eigenlijk niets mysterieus. J'étais dans un orphelinat à Séoul, en Corée du Sud.
Et j'ai été adopté, donc, comme je l'ai dit, via Terre des Hommes. Et depuis, donc, je suis en Belgique. Naturellement, je ne suis pas venu tout seul. J'ai eu la chance inouïe d'être accompagné par ma sœur. Je suis arrivé ici à l'âge de 4 ans en Belgique. Et j'ai donc mes parents qui sont nature belge, bien sûr. Et moi, je suis de Corée. Ça fait qu'ils ont eu deux enfants coréens. Et depuis, ben, nous sommes des Belges de cœur. Pas tout jamais, quoi. Je suis très bien installé. Et maintenant, j'habite avec aussi un militaire. Mon père est un Belge, un Vlaming. Dus van de streek van Gent, Eeklo. En mijn moeder is een echte Congolese. Dus ik ben geboren in 1954, toen nog een kolonie van België. Mon père est parti en 1956 au Zaïre pour aller rejoindre un de ses frères et une de ses sœurs pour leur donner un coup de main dans l'entreprise. Là-bas, il y a rencontré ma mère. Ils sont mariés, ont eu deux petits-enfants, enfin quatre, nous sommes deux frères et deux sœurs. Et c'est comme ça qu'en 1973, il a décidé de revenir en Belgique. Et comme nous avions la nationalité, nous sommes rentrés tous ensemble, bien sûr. Ik kom uit een gemengd huwelijk. Mijn moeder is Belgisch, mijn vader is van Marokko. En zo heb ik mijn naam gekregen. Ja. Gedurende mijn loopbaan bij het leger heb ik er eigenlijk weinig problemen mee gehad. Ja, natuurlijk. Oh, wat voor een naam is dat? En, dit. En ze stellen zich altijd de verkeerde persoon natuurlijk voor. Je suis né en Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs. J'ai vécu jusqu'à la fin de mes études secondaires. Je suis venu en Belgique juste après les humanités. J'ai fait mes études supérieures et universitaires en Belgique, en Anvers pour commencer, et à l'école supérieure de navigation, et ensuite à Louvain-la-Neuve. J'ai fait une licence en économie, et pour terminer, j'ai fait une licence en droit à l'ILB. De wortels van flink wat militairen liggen buiten België, maar dat speelt absoluut geen rol tijdens de recrutering. Weet u welke voorwaarde is om bij het leger te komen? Een middelbaar diploma in bezit hebben. En qua nationaliteit? Dat weet ik niet. Belg, jongen. Ja? Ja, dat gaat niet anders. Moet Belg zijn. Ah. De enige eis die we eigenlijk hebben om in het leger te komen, de enige wettelijke eis, dat is dus dat iemand die op het ogenblik dat hij zijn verbintenis tekent, dat hij op dat ogenblik Belg is. Dus dat betekent dat iemand die dus begonnen is met een procedure van naturalisatie, gerust zijn kandidatuur bij ons kan indienen via een infocermbureau. Maar ik vind dat er ook migranten bij het leger moeten kunnen komen. Dat dat geen privilege van een Belg moet zijn. De meeste migranten hebben geen bezwaar tegen een militaire loopbaan voor hun kinderen in het Belgisch leger. Moi, j'ai toujours été pour l'armée, hein. J'ai toujours soutenu l'armée, donc si un de mes enfants voudrait se lancer dedans, avec joie, quoi. Mon père est quand même assez militariste, donc il n'a pas été négatif de ce côté-là. Il a bien sûr pour sa fille, il a un petit peu tiqué, hein, mais il se dit bon. Pour sa patrie, hein, patrie donc la Belgique, il a mis son accord pour que je puisse rentrer aussi à l'armée. Eigenlijk, als die doen en als die dezelfde rechten en plichten hebben als wij, dan heb ik daar geen bezwaar tegen. Maar daar is dikwijls wel een onderscheid. Hein. Ze willen wel rechten, maar eigenlijk weinig plichten. Oui, je crois que bon, la Belgique c'est un pays civilisé. Il y a des conditions qu'on exige aux Belges quand un Zaïrois arrive à acquérir la nationalité belge. Bon, il devient belge. À ce moment, il y a les conditions qui sont stipulées pour les Belges. Et s'il remplit ces conditions, il va faire sa carrière, il n'y a pas de problème. Wat mij dikwijls opvalt, is dat mensen, migranten, of allochtonen, of hoe ze wil het noemen, wanneer ze voor een Belgische instelling kiezen, dat nog gedragen is door een stuk overtuiging. En door een stuk patriotisme zoals je dat soms bij de Belgen zelf niet meer zult vinden. Dus je zult bij de Belgen bijvoorbeeld meer mensen hebben die daarvoor kiezen omwille van, ik zeg maar iets, een tewerkstelling. Dus wanneer allochtonen, migranten daarvoor kiezen, zit daar iets meer een bewuste keuze achter. En ik denk dat het element van meer bewuste keuze is die maakt dat er eigenlijk iets meer patriotisme
achter zit nog bij hen. Soms zeg ik al lachend, de echte Belgen soms, die we nog tegenkomen, zijn dikwijls migranten die gekozen hebben voor de Belgische nationaliteit. Dat die daar nog echt in geloven. Dit gevoel heeft ook Ghislain, die samen met zijn 6 broers en neven allemaal militair zijn. Ze stammen af van een Vlaming die in het midden van de eeuw vertrok naar Belgisch Congo. Je suis fier. La preuve que je me suis même engagé comme volontaire de carrière pour faire ma carrière à l'armée belge. De keuze voor een militaire loopbaan hangt natuurlijk af van verschillende factoren. Il y a du sport, il y a beaucoup de spirit et tout, ça bouge quoi. C'est pas un métier banal. Étant gamin, j'ai vu des émissions de télévision où on parlait d'hélicoptères, etc. Ça m'a fortement attiré. Et m'étant renseigné, le meilleur moyen d'approcher des hélicoptères et disons de pouvoir voler était de rentrer à l'armée, en ce qui me concerne. En tout cas, en Belgique, ailleurs, c'est pas possible ou presque pas. Et c'est comme ça que je suis rentré. Le but était de voler sur hélicoptère. Als je eenmaal bent ingelijfd, bekijkt je omgeving je wel helemaal anders. Het leger is dus een minder probleem omdat je hebt allemaal hetzelfde tenuutje aan. Je hebt dezelfde opdracht. Je opdracht primeert soms op het persoonlijke of van wie die persoon eigenlijk in die tenue steekt. Soms, dat is helemaal anders tegenover in de burgerij. Telt het uiterlijk veel. À l'armée même, moi je dirais qu'il n'y a pas de racisme. Mais c'est les gens, ben ça dépend. Moi, j'ai connu des gars, quand j'avais encore 18 ans, quand j'étais milicien, ben, pour eux, c'était la première fois de parler déjà avec un noir ou de les serrer la main. Parce que quand ils étaient gosses, on les apprenait pas, on les apprenait autre chose chez eux. Par exemple, les noirs, c'est tous des singes, ou par exemple, les noirs, c'est tous des pions. Plus il est haut placé, plus on a du mal à s'en sortir quand on est attaqué par un raciste. Et moi, j'avais un chef de peloton qui était... Enfin, moi, je trouve qu'il était raciste. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer au début. Et depuis qu'il est parti, comme par hasard, tout fonctionne bien. Tout le monde trouve que je suis un bon élément. Mais avant, j'étais le plus mauvais. Ça n'allait pas, il n'y avait rien qui allait. Je durf wel eens Choco te noemen of zo'n zaken. Ik lach er niet om, maar het is een heel normale zaak, denk ik. Je côtoie aussi bien des francophones que des néerlandophones. Et... Je suis très étonné de voir que la relation se passe relativement bien. Je n'entends pas de problème de tension au niveau du bataillon. Je pense que la raison est que les gens se côtoient, se connaissent, travaillent ensemble et donc, dans un premier temps, sont obligés de se fréquenter et donc de laisser tomber un petit peu le côté, je vais dire, qui, pour certains d'entre eux, qui pourrait l'être, racisme. Het is niet zozeer misschien militairen die racist zijn. Of vooroordelen hebben. Ik denk dat ook in het algemeen misschien het Belgisch volk is die iets te veel vooroordelen hebben. À partir du moment où je vis à la méthode, je vais dire, du Belge, que je parle sans accent, du moins j'essaye, que je n'ai pas de différence culturelle vraiment bien marquante. Eh bien, j'ai déjà remarqué, par exemple, ça c'était quelque chose qui m'a fortement marqué, j'avais des collègues qui se disaient racistes, hein, sale arabe, j'ai encore passé dans tel quartier, si j'avais pu l'écraser, je n'aurais pas hésité, ça m'aurait donné quelques points. Et ils sont là, en face de moi, ils sont en train de me le raconter. Et donc, après un moment, je leur dis, oui, mais ça ne te dérange pas de me dire ça à moi? Et la réponse systématique, c'est « Oui, mais toi, toi c'est autre chose. Oui, toi, c'est autre chose. » Alors, une fois, j'ai pris le temps de demander un petit peu à l'un d'entre eux, « Tiens, moi, c'est autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Eh bien, avec toi, on n'a pas de problème. Tu es propre sur toi. Tu es... ouais, tu es un Belge, quoi. Il n'y a pas de problème. » Racisme, kan ik niet echt zeggen. Misschien in het begin, toen de mensen elkaar nog niet zo goed kenden, was er af en toe een keer een uitspraak die misschien naar het racisme neigde, maar echt racistisch. En eenmaal de mensen elkaar beter leren kennen, is dat absoluut, absoluut geen probleem. À la base, on ne fait pas attention à la couleur des gens. Ce qu'on regarde surtout, c'est le travail, quoi, le rendement des gens. Votre couleur, c'est le kaki, alors? Ouais, 100%. Als kind zie je het kleur niet echt. Het is enkel als de volwassenen erop aanwijzen, dan zeggen hij heeft een andere kleur of hij is zo.
dat een kind daarop gaat beginnen letten. Als je in een land leeft waar een dominante fysiek en cultuur aanwezig is, worden mensen met andere gewoonten en geloof al snel slachtoffer van allerlei uitsluitingen. En iedereen heeft zo zijn theorie over de oorzaken ervan. Chez nous, on mange de la vache et dans un autre pays, on mange du chien. Eh bien, vis-à-vis de celui qui mange du chien, on a un phénomène d'étonnement, je veux dire. Oui, méconnaissance sans doute. Et donc, on va se dire, mais comment est-ce possible de manger du chien? Chez nous, c'est un animal domestique, c'est vraiment dégueulasse. Et bon, si je prends par exemple les musulmans, ils ne mangent pas de porc. Et donc, eux doivent se dire sans doute quelque chose de semblable vis-à-vis de nous. Dat is iets dat u wordt aangeleerd in het milieu waarin dat je vertoeft. Misschien door je ouders. In de school wordt er over gepraat. Ik denk niet dat je daarmee aangeboren wordt. François zegt nog niet echt kennis gemaakt te hebben met racisme. Hij heeft bovendien zijn droom kunnen waarmaken. Een loopbaan als helikopterpiloot. Nu zelf vlieginstructeur vervult hij de dromen van anderen. François is natuurlijk maar één voorbeeld. We kunnen ons afvragen of de andere nieuwe Belgen ook alle kansen krijgen om hogere functies te bekleden. We vragen het aan de man in de straat. Difficile à répondre. Je crois qu'il y aurait quand même, comme on pourrait dire, des bâtons dans les roues. Ja, bij Amerika werd dat ook gedaan, dus ik denk dat waarom niet? Voor officier te kunnen worden moet het altijd een fatsoenlijke opleiding volgen bij het leger. En als zij die opleiding kan volbrengen, dan mag je gerust bij het Belgisch leger komen volgens mij. Ça m'étonnerait qu'il y arrive facilement. Pour entrer armé comme candidat officier, il y a effectivement des difficultés. La première difficulté pour quelqu'un d'origine étrangère comme moi, parce que c'est ça qui intéresse, pour quelqu'un d'origine étrangère comme moi, la première difficulté réside aux examens de langue, et en particulier l'examen du néerlandais. Et il a fallu travailler, il a fallu se préparer, il a fallu suivre des cours afin de pouvoir passer ces examens. Je reconnais qu'au départ, ce n'était pas facile. Mais il suffit d'une bonne volonté. Hein. C'est ce que j'avais la volonté, j'avais la motivation et j'ai passé les examens. Mais ça ne suffit pas, hein. Il faut l'entretenir. Hein. En Siriac Morangwa heeft het gehaald. Als korvetkapitein, dat is majoor bij de marine, haalde hij bovendien het brevet van militair administrateur. Een mooi resultaat. Vous savez, la carrière militaire n'est pas tellement bien connue. Les gens ne se posent même pas de questions sur ce qui se passe dans l'armée. Et lorsqu'on dit quelqu'un du jour au lendemain aux amis, à la famille, à l'entourage, je vais me faire militaire, je vais devenir candidat officier, plus tard je vais devenir officier, les gens se posent des questions, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Et puis ils attendent, ils se disent, on attend voir, on va voir ce qui s'est passé. Je crois que pour l'instant, quand tu vois ce qui s'est passé, et même si le chemin était long, parce que le chemin était quand même long, et je suis content de moi d'abord, mais ils sont fiers de moi aussi. Het maakt niet uit of je een loopbaan kiest als soldaat, onderofficier of officier. Je komt in het militair midden terecht en dat zit vol verrassingen. Het is geen beter of geen slechter milieu dan het gewone burgermilieu. Wat het voornaamste is dat iedereen zich kan waarmaken en kan bewijzen als hij zijn werk kent, als hij zijn taak uitvoert. Naar zijn collega of zijn chef, als hij zich zo kan bewijzen. Denk, op dat gebied is misschien het leger een goed milieu om de mensen te integreren. Ja. Iemand die van vreemde oorsprong naar het leger komt, als die inderdaad dus door de selecties geraakt, die identiek zijn als de selecties die er dus gebeuren voor origineel Belgische kandidaten, dan denk ik inderdaad dat hij aan de goede deur geklopt heeft. Want je moet toch weten dat in het Belgisch leger, zoals we het nu kennen eigenlijk met de nieuwe stijl, wij heel wat aandacht besteden aan teamwerking. En we stellen dus ook vast dat die teamwerking, ongeacht de uitskleur of de religie, dat maakt dat die groep aan elkaar gebonden wordt door elkaar beter te leren kennen. En we stellen dus inderdaad, denk ik ook, vast dat we dus iemand die dus van vreemde oorsprong is, dat die zich werkelijk thuis voelt in het leger. Ouais, Guilain, ik zou je die ook.
Geen idee. Nee, on a failli en une, sas. En Hongarije, tout est vite, ma foot, ma foot. Dites les gars, on ne vous comprend pas là, qu'est-ce que vous parlez là? Oh, on parle Kiswahili. Et comment ça se fait que tu connais Kiswahili, toi? Ben, moi, j'ai vécu 20 ans en Afrique, donc forcément, on a appris à parler le Kiswahili. Uh-huh. Et c'est pour ça que tu es copain avec Guilain? Ouais, on est copain avec Guilain, pas seulement pour ça, c'est un bon gars, il est sympa. On se marre bien avec lui. Hein, Poupoup? Ah ouais. Poupoup Junior. Comment il va? Ben, ça va. Ça va? Ouais, la maison, ça va. Tout va bien? Tout va bien, ouais. Bon, mina enda sas. On enda. Quoi, c'est que perse? Ok. Ça les mis à quoi, on m'a tout. Ok, on va. On fait des cases. La moitié à Kounyumba. Ouais. Ça va? Ouais, bye. Bye. Ik ben overtuigd dat militairen niet meer racistisch zijn. Die zijn gewoon een afbeelding van de samenleving. Ik zal zelfs zeggen dat je bij militairen, precies om waar dit ideaal nog ergens bestaat van de militair, dat je zelfs iets minder racisme zult hebben. Of toch minder racisme dat uitgedrukt wordt. Eenduidig antwoord op de vraag of het leger een goed milieu is voor integratie, zal je nooit krijgen. Wel zijn er in de krijgsmacht heel wat Belgen van vreemde origine en ze voelen er zich blijkbaar goed. Want Belg zijn is voor alles een ingesteldheid. Le Belge c'est quelque chose de surréaliste, quelque chose d'assez indéfinissable. Mais le Belge n'est ni français, ni hollandais, ni allemand, le Belge est belge. Et bon, ça fait qu'on se sent bien chez nous sans savoir exactement pourquoi. Mais c'est quoi sa couleur? Sa couleur? Noir-jaune, jaune-rouge, noir-jaune-rouge, multicolore, arc-en-ciel. On en parle beaucoup pour l'instant. Hein. Donc je crois qu'on peut être de n'importe où et être belge. Hein. Je crois. Tu crois pas? Een mooie gedachte om mee af te sluiten. Eerder dit jaar al in ons magazine toonden we u de Belgische militairen tijdens de wederopbouw van Bosnië. Nadien zagen we hen in de jongste oorlog in Europa tijdens de Kosovo-crisis. Daar stonden vooral de vluchtelingen centraal. Maar in oktober, voor ons volgend magazine, keren we opnieuw terug naar de Balkan. Hoe vergaat het de bevolking nu daar? En de Belgische militairen? Alvast een voorproefje. I'm very happy today. I think today is a great day. It's a great day for the Alliance, but much more importantly, it's a great day for the cause of justice for the people of Kosovo. All we are happy. All of you. You can see him face, and you can see the face of him people say everything. I'm going there to find my fatherland for the first time free. I am with my family, I'm very happy. And now it's time for going there. We hope a good life. New life. New life. Onze uitzending voor oktober. Maar voor we afsluiten nog dit. Binnenkort organiseert Televox een grote millenniumwedstrijd. Er zijn prachtige prijzen te winnen. Een videocamera, een videorecorder, 5 tandemsprongen uit een vliegtuig en 5 luchtdopen. Om te winnen hoef je gewoon van november tot maart dus nog wat aandachtiger te kijken naar onze programma's. Intussen kan je het wedstrijdreglement al bestellen bij onze redactie. Bedankt voor het kijken en graag tot 16 oktober.